Pour respirer l'air frais de la nature, nous nous promenons dans les forêts, les montagnes. Savez-vous que ces endroits sont riches en ions négatifs? Le rayonnement solaire et le mouvement constant du vent créent des ions négatifs. Présents dans les environnements les plus purs de la planète, les ions négatifs purifient naturellement l'air. Ils sont donc bénéfiques à notre santé. Les ions négatifs contribuent à assainir l'air en plaquant les particules polluantes au sol. Ils se comportent comme de véritables dépolluants naturels. Dans un environnement pollué, les ions négatifs sont absents. Comparons pour voir. D'après les mesures effectuées dans le métro parisien un jour de semaine, nous obtenons 10 ions négatifs par centimètre cube. Quant aux particules polluantes supérieures à 0,3 micromètre, elles s'élèvent à 4053. Dans le jardin du Luxembourg, au même moment de la journée, nous trouvons 370 ions négatifs par centimètre cube et les particules polluantes supérieures à 0,3 micromètre sont descendues à 1785. Sortons de Paris et téléportons-nous à la montagne. Le changement est spectaculaire. 2 millions négatifs par centimètre cube et les particules polluantes, supérieures à 0,3 micromètre, chutent à 387. Pas mal non plus près d'une cascade, avec 2370 ions négatifs par centimètre cube et 288 particules polluantes, supérieures à 0,3 micromètre. Tekoya fabrique des ioniseurs d'air. Qu'est-ce que c'est un ioniseur d'air? C'est un appareil qui émet des ions dans l'air. L'appareil ionise l'air, ces ions sont diffusés dans la pièce. Quand ils passent à proximité d'une particule, ils sont attirés par la particule et ils chargent électriquement la particule. Et une fois que la particule est chargée électriquement, elle est attirée par la Terre. Et pour terminer, ces ions que l'appareil diffuse, ce sont des constituants d'un air naturel. Et en fait, quand on vit dans un milieu urbain, et particulièrement en air intérieur, l'air est appauvri en ions. Donc le ioniseur participe aussi à lui redonner une de ses caractéristiques naturelles. À une distance d'un mètre du purificateur Tekoya, le nombre de particules polluantes supérieures à 0,3 micromètre est de 102. Le nombre d'ions négatifs a dépassé la valeur maximum du compteur d'ions, soit 99 999 ions par centimètre cube. À un mètre de l'appareil, toujours, dans votre chambre ou votre salle à manger, c'est comme si vous respiriez la même qualité d'air qu'à côté d'une cascade. À 2 mètres du purificateur Tekoya, le nombre de particules polluantes supérieures à 0,3 micromètre est de 240. Le nombre d'ions négatifs a là encore dépassé la valeur maximum du compteur d'ions, soit 99 999 ions par centimètre cube. À 2 mètres de l'appareil, vous bénéficiez d'une qualité de l'air égale à celle que vous trouveriez en montagne. Avec les ioniseurs d'air Tekoya, reproduisez chez vous l'air le plus pur. Tekoya, purificateur d'air éco-responsable et français, labellisé par la nature.